données du spectrogramme sont exactes. Le taux d'électrons est tellement élevé qu'il va y avoir une surtension à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe va exploser, va disparaître. Il faut pas laisser faire ça. Je vais couper ça, je vais vérifier les taux de plafond normal des ambulateurs. Qu'est-ce que je vais appeler? Mon gars de Saint-Lamage, je cherchais de la job justement. Bon, il y a un acte, mec! Non, c'est encore pire que je pensais. Le téléphone ne marche plus! Il faut un électricien de haut niveau, quelqu'un qui connaît les taux d'ampérage sur ses 10 doigts, un génie de l'électricité. Comment je vais faire pour trouver ça? Quelqu'un comme Vincent Volz? Vincent Volz. Je suis en train d'halluciner, ça. Les particules d'électricité dans l'air, moi. Vous avez vos cartes de certifié, au moins? Parce que si vous n'avez pas vos cartes... Super-héros du 120 volts. Je n'ai pas le choix de vous prendre parce que je suis dans la merde, là. Montrez-moi le panneau des fusibles. Non, mais ça tombe bien, juste ici. Approchez-vous un peu, là. Il y a bien du stock, là. Il faut qu'on fasse un ménage ici. Ça n'a pas de nouveau concept. C'est l'entrée principale, ça? Ben, je pourrais être pas honnête avec vous. Par chez nous, en Bulgarie, normalement, ça, c'est jamais comme ça. Peut-être ça? Alors, avez-vous le plan, le schéma des fusibles? C'est-à-dire, on les a informatisés récemment, mais le disque dur a planté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas normal, ça doit être un coup de mon terrible ennemi électrode. Y'a rien que je puisse faire. Je crois bien que je vais mourir. Il y a une solution pour régler les problèmes. Qu'est-ce que je dois faire? Mais Saint-Hyacinthe ne fut pas détruit, car heureusement, un chasseur de Pokémon passa par là et captura Electrode, sauvant ainsi la ville d'une surtension qui aurait tué tout le monde. Oh, tassez-vous là, faut que je fasse le ménage.